Peter Dupas, aussi appelé la bête de Melbourne, un violeur multirécidiviste sadique et tueur en série, dont le parcours criminel hors norme s'étend sur plus d'une trentaine d'années. C'est l'affaire que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Peter Norris Dupas est né le 6 juillet 1953 à Sydney, en Australie, mais sa famille déménagera très vite alors qu'il est encore bébé pour s'installer à Melbourne. Il est le cadet d'une fratrie de trois enfants. Il connaîtra une enfance en somme banale, sa famille appartenant à la classe moyenne et étant qualifiée d'assez normale. Sa mère, Merle Dupas, est décrite comme aimante et surprotectrice, tandis que son père, George, est dépeint comme un homme assez perfectionniste. Le petit Peter sera un enfant gâté par ses parents qui, en raison de l'écart d'âge important avec son grand frère et sa grande sœur, le traiteront comme s'il était enfant unique. À l'école, il ne se montre pas très assidu et est un élève introverti et calme. Ses camarades le trouvaient étrange et pas très amical. Il sera décrit comme petit, mentalement assez faible et lisse, un enfant tout à fait ordinaire. Il a souvent été qualifié d'enrobé et sera moqué en raison de son physique. On le surnommera d'ailleurs Pugsley pour son poids, en référence au personnage de la famille Adams. Peter Dupas quittera finalement le lycée à l'âge de 17 ans et obtiendra son certificat de fin d'études que de nombreuses années plus tard, pendant sa détention. Le parcours criminel de Dupas débutera très jeune puisque c'est le 3 octobre 1968, à l'âge de 15 ans seulement, qu'il commettra sa toute première agression. Alors que le jeune Peter sort de la Waverley High School et porte encore son uniforme, il décide de se rendre chez une habitante du quartier qui était seule ce jour-là avec son bébé d'à peine 5 semaines. Il lui demande alors s'il peut lui emprunter un économe pour, dit-il, éplucher des pommes de terre. Une fois dans la cuisine de celle qui deviendra sa toute première victime, il la poignarde à l'aide de son ustensile au niveau du visage et du cou. La dite voisine tentera de se débattre et de se défendre de l'attaque comme elle le pouvait et s'en sortira avec de nombreuses blessures défensives au niveau des mains. Le jeune auteur des faits déclarera plus tard aux forces de l'ordre qu'il ne pouvait pas s'en empêcher et qu'il ignorait pourquoi il avait attaqué cette femme. Il sera alors condamné à 18 mois de probation et sera admis à l'hôpital psychiatrique Laurendale pour évaluation. Là-bas, le jeune homme sera perçu comme un patient bienveillant, sympathique et serviable. Il sera autorisé à quitter l'établissement et à rentrer chez lui seulement 2 semaines plus tard. Moins d'une année après ces faits, courant octobre 1969, on a forcé l'entrée de la morgue de l'hôpital Austin et les corps de deux femmes âgées ont été mutilés à l'aide d'un scalpel. On relèvera alors, sur la cuisse de l'un des deux corps, une étrange blessure qu'on retrouvera pratiquement à l'identique sur une future victime de Dupas, ce qui amènera plus tard la police à penser que ce dernier était impliqué. Quelques années plus tard, en 1972, alors qu'il est à peine majeur, il est surpris en train de regarder une voisine par la fenêtre de sa salle de bain. Après cela, en juillet 1974, Dupas est condamné à une peine de 9 ans d'emprisonnement, dont 5 ans de sûreté, pour viol. Il s'est en effet introduit dans la maison d'une femme, l'a menacée avec une arme blanche avant de s'approcher d'elle avec un cordon pour la ligoter et abuser d'elle. Il ira jusqu'à menacer de s'en prendre à son bébé si elle tentait de résister ou de se débattre. Le juge saisi de cette affaire qualifiera les faits de l'un des pires viols que l'on puisse imaginer. Un officier de police qui sera interviewé après le procès dira au sujet de l'auteur : « Pour moi, ce type est le mal absolu.
C'est un jeune homme très dangereux qui continuera de commettre des infractions à l'égard des femmes et qui pourrait causer la mort d'une de ses victimes s'il n'est pas remis sur le droit chemin. Le docteur Alan Bartholomew, psychiatre qui s'entretiendra avec Dupas en prison, ne fera que confirmer la dangerosité du criminel. Je suis raisonnablement certain que ce jeune a un sérieux problème psychosexuel, qu'il utilise la technique du déni comme un moyen de faire face et qu'il doit être considéré comme dangereux. Malheureusement, ces mises en garde ne seront pas entendues puisque Peter Dupas sera libéré au bout de ses 5 premières années de détention, soit en 1979, et à peine 2 mois plus tard, en l'espace de 10 jours, il agressera pas moins de 4 femmes différentes. Il sera donc condamné à nouveau pour des faits de viol, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur et intention de vol. Un rapport sur Dupas datant de 1980 affirmera que ce dernier était un individu extrêmement perturbé, immature et dangereux. Cependant, Dupas sera remis en liberté courant février 1985 et c'est moins d'un mois plus tard qu'il violera Margaret Batman, 21 ans, sur une plage à Blairgowrie. Après être descendu de sa voiture, Dupas a suivi la jeune femme avant de l'attaquer en la maintenant au sol sous la menace d'une arme blanche à nouveau. Il y ôtera son maillot de bain et abusera d'elle sur le sable. Il écopera de 12 ans d'emprisonnement pour ces faits, mais sortira au bout de 7 ans seulement, en 1992 donc, pour bonne conduite. En dépit d'un rapport du juge Lucky datant de 1985 qui stipulait que sans traitement spécifique, il y aurait une forte probabilité que Dupas récidive, le criminel sera livré à lui-même. C'est moins de 2 ans après sa sortie de prison, en janvier 1994, qu'il s'en prend à une nouvelle victime, une femme de 26 ans, qui pique-niquait au lac Eppelock avec ses amis. Cette dernière s'écartera du groupe ce matin-là vers 11h30 pour se rendre aux toilettes publiques les plus proches, à environ 150 mètres de là. Une fois seule sur les toilettes et en partie dénudée, Dupas entrera avec un couteau dans la cabine en forçant la porte. La victime résistera et subira de multiples lacérations au niveau des mains. Une fois sorti des sanitaires sans avoir pu mener son projet à bien, Dupas tentera de fuir mais aura un accident de voiture en quittant les lieux. Les amis de la victime alertée partiront à sa recherche aussitôt et réussiront à le rattraper et à le retenir jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre sur place. Dupas avait sur lui différents éléments incriminants comme une cagoule, un rouleau de ruban adhésif ou encore une paire de menottes. Le 18 août 1994, il plaidera finalement coupable pour ses faits face à la cour de Bendigo. Il est donc reconnu coupable de séquestration et est condamné à 3 ans de détention avec une période de sûreté de 2 ans et 9 mois. C'est en septembre 1996 que Dupas sera une nouvelle fois relâché. Ce dernier prendra alors la décision de partir s'installer dans la banlieue de Melbourne, à Pasco Vale. Peter Dupas commettra son premier homicide sur la personne de Margaret Joséphine Maher, une travailleuse du sexe d'une 40aine d'années. Courant 1997, Dupas la frappera avec un parpaing au niveau du crâne, près de l'arcade sourcilière droite, avant de la poignarder sauvagement et de l'étrangler. Seulement, le tueur ne s'arrêtera pas là puisqu'il mutilera son corps en lui découpant le sein gauche pour le lui mettre dans la bouche. La victime sera retrouvée sous un carton par un homme qui ramassait des déchets sur le bord de la route. Au moment du meurtre, Peter Dupas n'était plus sous la surveillance des services pénitentiaires gouvernementales de Victoria. Un gant en laine noire sera retrouvé près du corps de Margaret Maher et la police confirmera plus tard qu'il contenait bien l'ADN de Dupas, mais il ne sera arrêté pour ce crime que plusieurs années plus tard. Son épopée meurtrière continue quand, début novembre 1997, son attention est retenue par la belle Mercina Alvages, 25 ans. La jeune femme déposait des fleurs, agenouillée devant la tombe de sa grand-mère dans la section orthodoxe grecque du cimetière de Feuker, dans la banlieue de Melbourne, quand Dupas surgit par derrière et la poignarde à pas moins de 87 reprises au niveau des jambes, du cou et de la poitrine. On découvrira son corps le 5 novembre au petit matin vers 5h30. On avait retiré son haut, ses seins étaient mutilés mais toujours présents, et son corps avait été jeté dans une fosse vide à 3 tombes de celle de sa grand-mère.
Neuf témoins différents déclareront avoir vu Dupas dans le cimetière juste avant le meurtre. Lui se défendra en affirmant être venu voir la tombe de son grand-père, située à quelques dizaines de mètres de celle de la grand-mère de la victime. De plus, à ce moment précis, Dupas fréquentait le First and Last Hotel, situé en face du cimetière. Enfin, en 1999, il s'en prendra à Nicole Patterson, une psychothérapeute de 28 ans, décrite comme humaine, aimante, passionnée et intelligente. Elle s'était engagée auprès de différentes institutions pour aider les jeunes défavorisés ou sans abri et participait à des activités organisées par l'Australian Drug Foundation. Elle avait à cœur de placer au centre de son champ d'intervention les personnes ayant des soucis d'addiction. Elle venait d'ailleurs de lancer son propre cabinet de psychothérapie à domicile et avait fait publier plusieurs petites annonces dans le journal local The Northcote Leader dans le but d'élargir sa clientèle. Peter Dupas prendra contact avec la thérapeute par le biais de l'une de ses annonces et communiquera avec cette dernière pendant 6 semaines, période durant laquelle il l'appellera à 3 reprises afin de fixer une séance. Il finira donc par prendre rendez-vous pour 9h du matin, ce 19 avril 1999. Il aurait inventé une histoire de dépression et de dépendance au jeu pour justifier la nécessité de ce suivi. Une fois dans la salle de consultation, Dupas se jettera sur Nicole alors que cette dernière préparait du café pour eux deux. Il la poignardera à plusieurs reprises avec un couteau qu'il avait apporté avec lui et abusera d'elle sexuellement. Son corps sera découvert par un de ses amis le soir même dans le salon. La victime était nue et avait reçu 27 coups de couteau à la poitrine et dans le dos. Ses deux seins avaient été intégralement prélevés et des morceaux de ruban adhésif étaient attachés à son corps. Son sac à main et son permis de conduire avaient disparu. L'arme du crime ainsi que sa poitrine ne seront jamais retrouvées. Le petit ami de Nicole Patterson sera dans un premier temps suspecté, mais rapidement les forces de l'ordre dépêchées sur place mettront la main sur l'agenda de la victime, dans lequel on pouvait voir qu'elle avait rendez-vous ce jour-là avec un certain Malcolm. La police remontera assez aisément à Peter Dupas et organisera une perquisition à son domicile. On y trouvera des vêtements tachés du sang de la psychothérapeute, du ruban adhésif similaire à celui trouvé sur la scène de crime, et enfin, dans une poubelle, des morceaux d'une coupure de journal arrachée, sur lesquels, une fois rassemblés, on pouvait voir une des annonces pour le cabinet. On pouvait également lire une annotation manuscrite qui contenait le nom de Malcolm souligné, ainsi que les inscriptions 9h et Nikki. D'autre part, l'accusé avait de nombreuses égratignures sur les mains et le visage, mais ce dernier assura qu'il s'était fait ça en travaillant du bois. Il changera ensuite plusieurs fois de version, mais aucune ne semblait convaincante. Face à ces éléments, la culpabilité de Dupas ne faisait plus aucun doute. Il sera donc arrêté pour le meurtre de Patterson le 22 avril 1999 à midi à l'hôtel Excelsior de Thomastown où il résidait dans le moment. La police de Melbourne le soupçonnera d'avoir commis bien plus d'homicides. Il est par exemple le premier suspect dans le meurtre d'Hélène McMahon, une maman de 4 enfants tuée à l'âge de 47 ans alors qu'elle bronzait topless dans une zone isolée de Rye Beach. Malheureusement, la tranquillité de cette plage qu'elle appréciait tant sera complètement brisée ce 13 février 1985. On retrouvera son corps en milieu d'après-midi, nu et caché sous sa serviette, sur le sable. Elle avait été violemment battue. Personne ne sera inculpé pour ce meurtre, cependant on sait que Dupas bénéficiait exceptionnellement d'un jour de permission de sortie ce 13 février, étant libérable dans les semaines suivantes. De plus, on sait que le suspect vivait tout près de cette plage à l'époque des faits et que ce crime a eu lieu à moins de 4 km de l'endroit où il abusera de Margaret Batman 2 semaines plus tard. La police pensera que c'était le tout premier meurtre de Peter Dupas. Il sera également le principal suspect concernant le meurtre de Renita Brenton, 31 ans, survenu en pleine journée à Sunbury. La pauvre victime sera poignardée frénétiquement à pas moins de 106 reprises aux alentours de 13h ce 5 novembre 1993, alors qu'elle se trouvait dans la cuisine de l'arrière-boutique de son magasin de vêtements d'occasion, exclusive Pre-Loved Clothing. La victime avait été vue la veille dans son magasin en train de se disputer avec un homme, mais ce dernier ne sera jamais identifié.
On sait qu'au moment du meurtre, Dupas vivait à moins d'une demi-heure de route du magasin, à Woodend, la même banlieue que celle où se trouvait le domicile de Renita Brenton, la victime elle-même. Une de ses amies proches déclarera à la police que Renita organisait des séances de conseils informels à l'arrière de son magasin et qu'elle rencontrait ce jour-là un homme qui aurait déclaré avoir un passé sexuel violent. Ces éléments ne sont bien sûr pas sans rappeler le modus operandi de Dupas dans le meurtre de Nicole Patterson. Enfin, il sera sérieusement suspecté dans l'affaire Kathleen Downs. Cette femme énergique de 95 ans, considérée comme une matriarche, vivait depuis 8 ans dans la maison de retraite Brunswick Lodge, située avenue Loyola, à Melbourne. Comme d'habitude, un membre du personnel est venu voir Madame Downs à minuit et demi ce 31 décembre 1997 et l'a trouvée profondément endormie. Seulement, à 3h du matin, des bruits viennent interrompre le silence de la nuit. En effet, un résident entend des stores bouger et une porte s'ouvrir. Au petit matin vers 6h20, un membre du personnel tombe sur le corps allongé sur le sol dans une mare de sang. La vieille dame avait été poignardée à 3 reprises. On ne retrouvera aucune arme sur les lieux et aucune empreinte identifiable. Le meurtre restera non élucidé. Dupas sera interrogé en 2013 pendant près de 5 heures à ce sujet, mais niera toute implication. En 2015, un ancien avocat qui a été emprisonné pour trafic de drogue et a fait de la prison avec Dupas a déclaré qu'il se serait confié à lui au sujet du meurtre avant de se faire sa responsabilité. Un autre élément extrêmement incriminant et qui n'est encore une fois pas sans rappeler l'affaire Nicole Patterson est qu'on a pu relever 2 appels téléphoniques passés à la maison de retraite en novembre et en décembre 1997, 2 heures seulement avant le crime. Ces appels ont pu être retracés et il a été démontré qu'ils provenaient du téléphone de Dupas. Durant la période entre les meurtres de McMahon et de Brenton, alors que Dupas est incarcéré, il rencontrera Grace McConnell, une infirmière spécialisée dans la santé mentale. Ils se mettront vite en couple avant de se marier en 1987 au sein de la prison Castlemaine Gaol. Leur union durera jusqu'en 1990. Grace décrira celui qui a été son mari comme un homme narcissique, paresseux, égocentrique et snob. Dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Ulvages, on l'interrogera sur leur relation. Elle déclarera alors « Il a insisté sur le fait qu'il était amoureux de moi et qu'avec mon aide, il pourrait devenir une personne normale. J'ai accepté de l'épouser, non par amour particulier pour cet homme, mais par un certain sens des responsabilités afin de l'aider à devenir un membre utile pour la communauté. Dans mon esprit, notre relation était plutôt celle d'une mère avec un fils. Notre vie sexuelle était très rudimentaire, presque inexistante. » Si l'on s'intéresse à la vie de Dupas pour essayer de trouver des points clés qui auraient pu influencer en partie sa trajectoire développementale, il n'y a rien. Lui-même a déclaré qu'il n'y avait aucun élément notable à ce sujet. Dupas, tout comme Wayne Williams par exemple, dont nous avons parlé dernièrement, n'a subi aucun abus et n'a pas été victime de négligence. On ne lui connaît aucun événement traumatique antérieur à ses passages à l'acte. On sait cependant que Dupas avait totalement conscience de ses actions. De plus, il n'agissait pas sur le coup de l'impulsion, c'est un tueur dit calculateur dont les meurtres étaient planifiés à l'avance et réfléchis. Ce point ressort particulièrement avec les meurtres de Brenton, Patterson ou encore Downs. Le détective Ian Armstrong, qui interviewera Dupas en novembre 1973, dira à ce sujet « Ses attaques étaient toutes soigneusement planifiées et il ne montrait aucun remords. C'est un menteur invétéré, un homme très dangereux. » Le psychologue Tim Watson Munro affirmera que Dupas ne devrait jamais être libéré et qu'il était l'exemple même d'une personne mauvaise, mais pas folle, ne souffrant d'aucune maladie de l'esprit, au-delà du fait d'être ce que l'on appelle un psychopathe. Tous ces points seront soulignés par le juge Vincent dans un rapport de la Cour suprême de Victoria datant d'août 2000. Vous êtes raisonnablement intelligent et on ne peut pas dire que vous souffriez d'une quelconque maladie mentale au sens où on l'entend actuellement. Vous n'avez pas agi de manière impulsive ou dans un état de grande émotion ou sous l'influence de l'alcool ou de drogue. Au contraire, vous avez commis votre crime avec une délibération sans remords et après avoir soigneusement manipulé la situation, en comprenant parfaitement la portée de vos actes.
Dupas sera donc qualifié par les experts de psychopathe, son intelligence et ses grandes capacités en matière de manipulation étant particulièrement soulignées par les professionnels du milieu psychologique et juridique. La sœur de Nicole Patterson le décrira d'ailleurs comme un véritable prédateur maléfique, une personne rusée et repoussante. Pour ceux qui seraient intéressés par un approfondissement de la notion de psychopathie, c'est un sujet que j'ai déjà abordé plus longuement dans ma toute première vidéo. Concernant le motif des crimes de Dupas, on peut dire qu'il est sexuel, lui-même étant ce qu'on appelle un sadique, donc une personne atteinte d'une paraphilie qui s'exprime par l'apparition d'une satisfaction érotique au travers de la souffrance physique et ou psychologique infligée à autrui. Chez Dupas, on constate des occurrences de fantaisies dites sadiques comme des mutilations. L'ablation de la poitrine de ses victimes deviendra même sa signature. Joblin, le psychiatre qui examinera Peter Dupas au cours de l'instruction, tentera d'expliquer son comportement. Dupas a attaqué des femmes pour réaliser des fantasmes de conquête et de contrôle. Pour lui, l'attaque n'a pas été à la hauteur du fantasme imaginé. Ne se sentant pas rassuré par sa performance sexuelle, il s'est remis en chasse afin de trouver une autre victime, la bonne, capable de réaliser son dit fantasme. D'autre part, Dupas aura à son actif pas moins de 16 condamnations distinctes lors de sa première accusation pour meurtre. Il sera arrêté et emprisonné à plusieurs reprises, mais aussi libéré de très nombreuses fois avant de recommencer. Il illustre donc particulièrement bien la notion de récidive criminelle. La libération conditionnelle est la raison pour laquelle Mersina, Nicole Patterson et d'autres ne sont pas ici aujourd'hui, dira le père d'Helvetius. En écho à cela, il est ressorti un profond clivage entre l'attitude de Dupas à l'extérieur et en détention, ce qui, couplé à ses capacités en termes de manipulation, a pu influencer les prises de décision quant à ses libérations. Le personnel pénitentiaire ira jusqu'à le décrire comme un détenu modèle. Peter Dupas sera jugé une première fois dans le cadre du meurtre de Nicole Patterson lors d'un procès qui se tiendra le 22 août 2000. Il faudra moins de 3 heures pour que le jury prononce un verdict de culpabilité. Il est alors condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge Frank Vincent déclarera en s'adressant à l'accusé « Vous considériez Nicole Patterson comme rien de plus qu'une proie à piéger et à tuer. Sa vie, sa jeunesse et ses qualités personnelles n'ont pris de l'importance dans votre esprit qu'en raison du sentiment de satisfaction et de pouvoir que vous avez éprouvé en les lui enlevant. Les perspectives de votre éventuelle réhabilitation doivent être considérées comme si proches du désespoir qu'elles peuvent être effectivement écartées. Rien n'indique que vous ayez éprouvé le moindre remords pour ce que vous avez fait et je doute que vous soyez capable d'une telle réaction humaine. À un niveau fondamental, en tant qu'être humain, vous nous posez la question terrible, menaçante et sans réponse, comment êtes-vous devenu ce que vous êtes ? En août 2001, Dupas fait appel devant la Cour suprême de Victoria, mais sa demande est rejetée. Il prendra ensuite part à un second procès, cette fois pour le meurtre de Margaret Meyer. Le 16 août 2004, le jury le condamnera à une peine de réclusion à perpétuité incompressible. Le juge Kay, en prononçant le verdict, dira « Non content de ce que vous lui aviez fait dans la vie, vous lui avez volé sa dignité dans la mort. » Le président de la cour déclarera en s'adressant à Peter Dupas « Compte tenu de vos antécédents criminels et de la gravité particulière du crime pour lequel vous avez été condamné, il est tout à fait approprié que vous soyez condamné à la réclusion à perpétuité. Il est clair, tant dans la présente affaire que dans vos précédentes condamnations, que vos meurtres sont liés à la nécessité pour vous de justifier un acte pervers, une haine sadique des femmes et un mépris pour elles et leur droit de vivre. Vous avez intentionnellement tué une femme sans défense qui, comme toutes vos autres victimes, n'avait aucune chance de se protéger de vous. Compte tenu de vos infractions répétées, il n'y a aucune perspective pour vous de réadaptation. Rien n'a été avancé de votre part pour nous faire croire qu'il y aurait la moindre lueur d'espoir pour vous. Toutes ces circonstances se combinent, à mon avis, non seulement pour justifier, mais aussi pour exiger que je ne fixe pas de durée minimale à votre peine d'emprisonnement.
Le 25 juillet 2005, Dupas fera à nouveau appel devant la Cour suprême de Victoria, mais une nouvelle fois, ce dernier sera rejeté. Enfin, il sera jugé une troisième fois pour le meurtre d'Helvages. Il plaidera coupable pour ce crime et le 9 août 2007, il sera condamné à une troisième peine d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La juge Hollingworth soulignera l'ancrage profond de sa haine vis-à-vis des femmes, qu'elle qualifiera d'ailleurs de perverse et sadique. Le 17 septembre 2009, Dupas fera une nouvelle fois appel, ce qui débouchera sur un nouveau procès qui débutera fin octobre 2010. Courant novembre, il sera encore reconnu coupable du meurtre d'Helvages. Dupas aurait tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours durant sa détention. Il purge encore aujourd'hui sa peine dans l'unité de sécurité maximale du centre correctionnel de Port Phillip et est actuellement âgé de 69 ans. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Cette affaire me semblait intéressante à traiter parce qu'elle met en lumière le malheureux manque de prise en charge des personnes judiciarisées ainsi que le phénomène de récidive. J'espère en tout cas avoir fait découvrir ce profil à certains d'entre vous. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je lis tout ce que vous m'écrivez. Si vous avez apprécié mon travail, vous pouvez me laisser un like, vous abonner et partager mes vidéos pour m'aider à développer la visibilité de la chaîne. J'en serais très touchée. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau profil. Prenez soin de vous. I am walking down the street, thinking the Lord has still got my feet. There's so much pain and crying all over.